l'ensemble Baroque Atlantique. Donc c'est un groupe de musiciens que j'ai la chance de conduire depuis quelques années maintenant, qui fonctionne au projet, donc on a un effectif variable. Harry Les Baroques par son répertoire, puisque nous jouons principalement les répertoires des 17e et 18e siècles, sur instruments historiques et au regard des témoignages que l'on a de la manière de jouer à l'époque. Mais également, il est baroque parce qu'il a une démarche plus originale, basée sur la recréation, la réécriture d'œuvres, l'ornementation, comme à l'époque. L'idée de réécrire une musique, c'est aussi l'envie de se remettre dans la peau du compositeur. Et d'une certaine manière, on a l'impression de rencontrer la personne aujourd'hui, de redonner vie quelque part. C'est une source d'inspiration très très forte. Donc après l'accompagnement, donc, vous avez donc mesure 24, ta-ta-ta, ta-ta-ta, toujours interrogatif, ou c'est, ou, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Je pose la question. Pour moi, la place de l'instrument, elle est primordiale, puisque c'est la voix de l'instrumentiste qui va ainsi s'exprimer. Et personnellement, donc, je construis aussi des instruments, et le fait de pouvoir porter un répertoire depuis presque la matière première, qui est le bois en l'occurrence, jusqu'à la réalisation musicale sur scène, pour moi c'est un cheminement qui est idéal et qui est complet. Ce qui est aussi important pour nous, c'est de partager cette musique et cette démarche avec un large public, et notre présence en Nouvelle-Aquitaine nous a permis depuis plusieurs années de faire beaucoup d'actions en direction du jeune public et également aussi de tisser des liens forts en milieu rural. C'est indispensable aujourd'hui de faire ça pour à la fois faire connaître ces musiques le plus possible, les faire aimer, et aussi en même temps de transmettre quelque chose et qui reste. Un concert imaginaire. C'est un programme qui est dédié à Jean-Sébastien Bach et où se mélangent des œuvres majeures de ce compositeur, comme concerto en la mineur pour violon, le concerto pour deux violons en ré mineur, aux côtés d'œuvres inédites comme un concerto que j'ai réécrit pour deux violons après une sonate pour orgue, et également aussi d'un concerto pour violoncelle. Toutes ces œuvres sont aussi agencées d'une manière typiquement baroque, avec un fil conducteur dramaturgique. Cet engagement des musiciens, cette joie de faire ce projet, révèle un visage de Bach complètement inattendu. On découvre les œuvres connues d'une autre manière, et on est aussi charmé par des œuvres qui sonnent totalement neuves.